Et c'est la dernière. C'est la dernière de la tournée, hein, les gars. Pour cette série. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, je suis curieux. Il y en a combien qui étaient là hier soir? Oh, je suis désolé, vous allez entendre les mêmes conneries. Alors, il y a à peu près 6 ans, quand j'ai commencé avec le groupe, j'ai écrit une chanson qui s'appelait Remember It's Me. Et l'histoire derrière, c'est qu'à l'époque, ma copine m'a quitté. Et du coup, j'ai écrit une chanson. Elle a entendu la chanson et elle voulait se remettre avec moi. Je lui ai dit, non, ça va. Ah, vous êtes d'accord? Et dans un moment de folie, bon, elle était complètement folle de toute façon. Dans un moment de folie, elle détruit tout ce que j'avais chez elle. Elle déménage, elle me ramasse ma bagnole. Pendant une année, elle a eu ma bagnole. Bien sûr, moi j'étais en Suisse avec Gotthard, les débuts, tout ça, je n'avais pas tellement le temps de m'occuper de ça. Bref, une année plus tard, je récupère ma bagnole, pleine de contraventions, bien sûr. Et surtout, complètement démolie. Et c'est surtout pour vous les mecs, que je raconte cette histoire. Je sais qu'on peut croire que ça peut vraiment paraître comme une super idée sur le moment. Mais croyez-moi, n'écrivez jamais une chanson. Yeah, remember, it's my manual. Thank you.
sword. You swore.